Alors coucou tout le monde, ben, lundi, prédiction de la semaine. Moi, alors il y a un truc que je voudrais signaler quand même, parce que ça nous a fait rire, mais on s'en est aperçu en relevant les chiffres, Nini et moi. C'est qu'il y en a qui mettent un chiffre, c'est ils mettent juste le chiffre, même pas bonjour ni quoi que ce soit, juste le chiffre, point barre. Personnellement, j'ai l'impression que c'est un manque un petit peu de politesse. Au moins marqué bonjour le temps. Voilà. Je sais pas, c'est l'évidence même, mais bon, à première vue, il y en a qui ne connaissent pas la politesse. Enfin bref. Ou alors ils me prennent pour de la merde. Enfin, ça serait plutôt pour me prendre pour de la merde qu'autre chose, quoi. Enfin bref. Allez, on va commencer comme d'habitude hein, pour le tirage de la France. Qui malheureusement bah, ça avance pas beaucoup, hein, c'est les vacances, voilà. Franchement, je fais la vidéo, mais vous voyez, sans vraiment grande conviction, quoi. Je vous le dis franchement. Allez, on y va. Adèle Loulou le 22, donc c'est la dernière. Hein. Hop. La Lune. Endroit. Demi, Sissi, Walking Deal, Florence, Hélène, Muriel, Jo, Marlène, le 7. 1, 2, 3, La justice envers. Yvette, Yanis, le 5. 1, 5. La fertilité envers. Ça, c'est l'industrie qui se casse la gueule. Jean-Luc Aurel, Delphine le 12. 1, 2, 12. La Renaissance, endroit. Michel Heidi Ludo le 11. 1, 2, 11. Le pendu, envers. Raymond Patrick Heidi le 9. 1, 2, 9. Les amoureux envers. Eh ben, Jocelyne Yvette le 6. 1, 6. L'ermite endroit. Camille, Claudine, Olivier, Bernadette le 8. 8. Le chariot endroit. Et Sylvie, JP, France, Cabaye, Françoise, Stéphane le 10. 10. Et nous avons, pour finir, l'étoile envers. Oh. Quand je vois un jeu comme ça, je me dis la France déprime. Voilà. Moi ça, voilà, ça me. Alors donc entre ben, l'industrie qui se continue à se casser la gueule, les entreprises qui vont se barrer à l'étranger, ça on a l'habitude, hein, merci l'Union européenne. Mais avant de penser à ça, c'est comme si je reviens à l'histoire du café là. Enfin, l'histoire de dire bonjour. J'ai vu un panneau il n'y a pas longtemps sur Facebook, ça m'a fait rire. Le mec, il a marqué sur son tableau à l'entrée de son bar, un café, 7 euros. Bonjour, un café, 4,50 euros. Bonjour, un café, s'il vous plaît, 1,80 €. Bah, c'est un peu le même principe, quoi. Voilà, bon, je reviens à mes cartes. Donc il y a énormément de frustration, hein, ça j'en étais. Voilà, il y a beaucoup de problèmes, on se sent complètement isolé. On a un désamour total de ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est-à-dire la perte encore d'emploi, la justice qui est. Enfin, on trouve ça complètement injuste. Hein. C'était quand? C'est dimanche ou hier, oui, hier, je suis tombé sur les informations. Ça m'a fait rire. Ils étaient contents de nous faire voir
qu'il y avait eu 200 000 apprentis en France. Bah c'est bien, mais bon, voilà, c'est de la main-d'œuvre, on va dire, un petit peu, pas limite gratuite, mais presque. Hein, surtout qu'il faut savoir qu'un patron qui prend un apprenti touche des subventions de l'État, c'est-à-dire avec nos impôts. Et en plus, le mec qui fait 35 heures, il est payé une misère. Enfin bref. Donc voilà, ça bouge pas beaucoup pour l'instant. C'est encore les vacances, donc les gens pensent surtout à leurs vacances. Bon, on a un temps, nous, là, depuis quelques jours qui est pas terrible. On a un petit rayon de soleil, mais bon, c'est couvert quand même. Le temps a changé d'un seul coup très 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 vite, on va dire. Voilà. Bah, à part ça, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Attendre le début septembre, voir ce que ça va donner. Moi, je m'attends quand même qu'au mois de septembre, ça bouge. Hein, y a la CGT qui appelle à faire une grande manifestation le 23 septembre. Mais il n'y a pas, voilà, comme dit Nini, il n'y a pas que les Français qui vont bouger. Je vais regarder après ce que ça va donner sur l'Europe dans le deuxième tirage. Oui. Oui, par rapport à ce qu'il va faire à l'école, on peut en reparler. Je crois qu'on pourra en reparler dans le live, mon cœur, cet après-midi. Ce sera aussi bien. Parce que là, ça va faire un petit peu de bazar. Donc voilà, on reparlera de ça, cette histoire d'école cet après-midi, si vous voulez bien. Bah, sinon, à part ça, bah, pas grand-chose à dire. Hein. Vivement début septembre pour que ça commence à faire du vilain. Et puis, ben voilà quoi. Donc à cet après-midi, 14h, 14h15, on n'est pas une minute près, comme je dis. Et sur ce, à tout à l'heure, et je vais faire après la vidéo pour l'Europe.